Alors, comment fonctionne un réacteur? Quoi? C'est une question simple. Mais la réponse est très loin de l'être. Bien sûr. Vous pensez que je suis trop stupide pour comprendre? Je me permets d'insister. Dites-moi comment un réacteur fonctionne ou j'ordonne à un de ces soldats de vous jeter de cet hélicoptère. Un réacteur nucléaire produit de l'électricité avec de la vapeur. La vapeur fait tourner une turbine qui génère de l'électricité. Là où une centrale électrique normale produit de la vapeur en brûlant du charbon, une centrale nucléaire... Dans une centrale nucléaire, on se sert de quelque chose que nous appelons la fission. Nous prenons un élément instable, comme l'uranium-235, qui possède beaucoup trop de neutrons. Un neutron, c'est un... Une balle. Oui, c'est bien ça. Du coup, les balles veulent s'échapper de l'uranium. Maintenant, si vous mettez assez d'atomes d'uranium proches les uns des autres, les balles de l'un des atomes vont finir par heurter un autre atome. La force de cet impact fragmente cet atome en produisant une quantité phénoménale d'énergie, la fission. Et le graphite? Ah, oui. En fait, les neutrons se déplacent à une telle vitesse, nous appelons ça le flux, qu'il est relativement peu probable qu'un atome d'uranium entre en collision avec un autre. Dans un réacteur à tube de force, nous entourons les barres de combustible avec du graphite pour modérer, ralentir le flux neutronique. Bon. Je sais comment fonctionne un réacteur nucléaire. Je n'ai plus besoin de vous. De la centrale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez l'intérieur? Je n'ai pas besoin. Regardez, il y a du graphite sur le toit. Tout le bâtiment a été ventré. Le cœur est à l'air libre. Comment vous pouvez voir ça d'aussi loin? Mon Dieu. Regardez cette luminosité. Il y a des rayonnements ionisants dans l'air. Tant qu'on n'a pas vu, on n'en sait rien. Survolez le bâtiment! Boris, je ne vous permets pas! Au-dessus de ce réacteur, nous mourrons dans la semaine, vous comprenez ça? Monsieur? Survolez le bâtiment! Ou je vous fais exécuter! Si vous passez au-dessus du cœur de la centrale, je vous promets qu'avant demain matin, vous supplierez qu'on vous achève!